emmanuel domblon bonjour vous êtes euh, linguiste vous enseignez à l'université libre de bruxelles et nous avons eu l'occasion à l'académie royale de, de belgique de vous élire tout récemment comme académicienne à la classe des lettres et des sciences morales et politiques alors votre champ d'expertise c'est la rhétorique et l'argumentation les discours euh, dans, dans la cité et en temps de crise des discours il y en a, il y en a même euh, beaucoup. Alors précisément, la rhétorique qui a, qui a joué un rôle essentiel dans l'argumentation à la fois des politiques mais aussi euh, des experts, euh, c'est de cela dont nous allons euh, parler. Avec tout d'abord une, une première question, euh, cette rhétorique, elle, elle nécessite euh, l'exercice du regard citoyen. Alors, en tant qu'elle nécessite ce regard euh, du, du citoyen, comment... Euh, peut elle aider euh, dans, dans la crise, en quoi euh, une, une bonne perception euh, de, des mécanismes rhétoriques peut, euh, peut nous aider en, en temps de crise, euh, en d'autres termes aussi quelle est la spécificité de la rhétorique euh, en temps de crise alors c'est ça la bonne question puisque en effet je pense que tout se construit autour de l'idée que la rhétorique est un exercice du regard mais pour ça il faut euh, remonter à la rhétorique d'Aristote qui sait euh, D'une certaine façon euh, opposé assez, net, assez nettement à la conception de Platon et c'est ce que vous voyez représenté par euh, cette fresque de, de Raphaël de l'école d'Athènes où on voit Platon euh, qui lève l'index vers le ciel pour montrer euh, son idéalisme et le fait que la, la réalité ultime se situe ailleurs et Aristote qui lance la paume vers la terre pour montrer que il faut euh, considérer les choses humaines les affaires humaines et que donc la rhétorique est une affaire de contingence. Et qu'est-ce que c'est la contingence C'est que déjà, même lorsqu'on n'est pas en temps de crise, euh, les décisions ne sont jamais certaines. Tout décideur sait qu'il y a un risque et qu'il y a toujours la possibilité euh, qu'une décision euh, produise des effets pervers. Et donc ça, je crois que c'est la première étape importante à comprendre, c'est qu'il faut faire le deuil de l'idéalisme. Mais ce deuil est difficile parce que c'est une version, je dirais, simplifiée de la rhétorique qui nous dit quoi Qui nous dit que si on s'exprime bien et qu'on utilise les bons mots, tout ira bien. Ce qui n'est euh, pas du tout la conception aristotélicienne de la rhétorique, qui propose quelque chose de plus complexe, mais en fait de plus réaliste précisément sur ce que nous sommes nous. Et donc dans la rhétorique d'Aristote, il n'y a pas que le discours et les mots c'est-à-dire le logos, il y a inséparable du logos l'éthos, qui est la façon dont chaque orateur se présente à son auditoire, avec ce qu'il est et avec ce qu'il construit euh, de confiance pour, pour convaincre, persuader son auditoire, et ça c'est le rôle du pathos, c'est-à-dire euh, des émotions. Quelles émotions va-t-il susciter Donc le réalisme de la rhétorique d'Aristote c'est que ces trois éléments de persuasion sont inséparables les uns des autres. Et pour terminer sur la question de la crise, euh, c'est que lorsqu'on est dans le contingent, la difficulté, c'est de juger, de, de, de faire preuve de discernement. Pensez au mot grec crisis, euh, qui veut dire précisément jugement. Euh, discernement et décision, et bien évidemment, lorsqu'on est en crise, ce, ce, cet aspect contingent et incertain est, euh, est extrêmement développé. D'où l'image que vous avez sous les yeux de la, de la tempête et du gouvernail, qui est une analogie très commune euh, pour, la, pour la décision politique. Donc on est euh, dans un état de tempête, on y voit encore beaucoup moins clair que d'habitude, et donc l'exercice du regard est plus important que jamais. Alors. Essayons d'exercer notre regard et suivons le professeur Aristote, euh, voyons euh, ce qu'il en est du, du logos, ce qu'il en est du, euh, du, du discours, parce que est-ce que la, la crise actuelle ne vient pas un petit peu brouiller toutes les catégories de ce champ du logos Oui, exactement. Je pense que c'est le point important, c'est que euh, la première chose à exercer au niveau du logos, c'est justement d'essayer de donner euh, à chaque élément... Du discours et du raisonnement, son statut propre. Et c'est ça, exercer son esprit critique au niveau du logos. C'est-à-dire euh, comprendre qu'un élément est un argument, comprendre qu'un autre élément est une opinion, c'est pas la même chose. Nous avons aussi des preuves, euh, parfois elles sont scientifiques, parfois euh, ce sont des chiffres, des courbes, des statistiques. Et tous ces éléments viennent euh, organiser le discours et le débat. Et en temps de crise, ces éléments ont tendance à se brouiller entre eux, et malheureusement, c'est évidemment quelque chose qui est encore accentué par les réseaux sociaux, et donc très souvent, le citoyen, qu'il soit orateur ou auditoire, ne voit plus très bien le statut de chacun de ces éléments du logos. Deuxième catégorie aristotélicienne, l'éthos. L'éthos, c'est une manière de construire, on pourrait dire, une forme de clairvoyance. Mais est-ce que précisément face à la crise, ce n'est pas un élément qui n'est pas toujours aussi perceptible que cela par, par les auditeurs Voilà, ça c'est le, le gros problème de l'éthos en temps de crise. Donc on va, pour, comme pour le logos, repartir euh, d'un éthos qui serait construit perçu et analysé dans, dans une situation euh, non problématique, disons, la vertu, comme disait Aristote, principale à construire, c'est une forme de clairvoyance, c'est-à-dire qu'on attend euh, du décideur politique euh, qu'il qu montre, euh, qu'il voit clair, qu'il a une certaine hauteur de vue, qu'il a du discernement, justement, et que son jugement va conduire à des décisions euh, qui seront qui seront utiles pour la cité et qui ne mettront pas euh, la cité c'est-à-dire euh, la, la société en danger et donc cette forme de clairvoyance bien sûr euh, en temps de crise elle va aussi euh, être brouillée d'abord par le fait qu'on a des acteurs sociaux euh, qui appartiennent à des sphères différentes vous avez les les, euh, les dirigeants les politiques mais vous avez aussi les experts qui ont joué un rôle très très important euh, au niveau des médias à tel point que à certains moments ils n'étaient pas d'accord entre eux ce qui provoquait une certaine instabilité chez l'auditoire et on voit à côté de cette figure de la clairvoyance tourner, je dirais, de façon un petit peu, euh, euh, un petit peu obscure, des figures, pour certaines très archaïques, euh, comme, comme comme celle du gourou, euh, mais des figures beaucoup plus contemporaines, comme celle du lanceur, lanceur d'alerte. Et à certains moments, on ne sait plus trop à qui on a affaire. Et pour le dire simplement, on ne sait plus euh, à quel saint se vouer, si j'ose dire. Stéphane Hessel nous nous incitait à nous indigner. C'est en effet euh, euh, l'émotion principale qui est euh, mise en avant par Aristote dans le pathos, troisième, euh, troisième élément. Mais euh, ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres sentiments qui, aujourd'hui et dans un contexte de crise, euh, se, se mêlent à, à ce pathos Peut-être pas seulement l'indignation Oui, c'est de nouveau euh, exactement le point qui me paraît important. Euh, si on parle du pathos, c'est que, effectivement, il faut euh, essayer de discerner, de, 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 de juger à quel type de colère, puisque la colère, euh, indignation et l'émotion politique par excellence, puisque c'est elle qui est un levier pour l'action, c'est avec elle qu'on a fait des révolutions, qu'on a changé le monde, qu'on a rendu le monde meilleur. Donc, euh, comme disait Aristote, c'est une émotion honnête, parce qu'elle pense qu'elle peut aider à rendre le monde plus juste et qu'elle peut nous aider à vivre dans un monde commun. Alors là, de nouveau, euh, nous sommes face à des figures qui peuvent à certains moments ressembler euh, à de l'indignation, mais qui peuvent aussi euh, ressembler à des émotions plus troubles et qui ont ceci de plus trouble que parfois, comme par exemple le ressentiment qui est, qui est quelque chose qui fait beaucoup théorie aujourd'hui, est une émotion qui d'une certaine façon sort de l'idée du monde juste, qui nous empêche de penser qu'il y a encore une possibilité de justice. Et je dirais, à mes yeux, plus préoccupant encore, vous citiez Stéphane Hessel quand on le lit bien. Ce qu'il dit aux jeunes, c'est méfiez-vous de l'indifférence. Donc ce, ce qu'il dit, euh, c'est qu'il y a... Euh, quelque part dans une certaine catégorie de la population, l'idée même qu'il n'y aurait plus vraiment d'objet euh, à, à notre indignation. Et, et s'il y a une, une, une indifférence généralisée, c'est plus une sortie du monde juste, c'est une sortie du monde commun. Et là, je pense que ça devient euh, préoccupant et la, la dernière crise nous l'a euh, révélé, euh, je dirais, de, de, de façon très très aiguë. Alors, vous me direz, c'est un constat très noir. Oui, un peu d'optimisme peut-être. <laughs> une toute petite note d'optimisme pour, pour terminer. Euh, nous étions en train de dire que la rhétorique d'Aristote, réaliste, est un exercice du regard, c'est-à-dire qu'il y a une anthropologie euh, de, de l'homme qui, 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 euh, qui lui apprend à, à naviguer dans l'incertain. Eh bien, on pourrait dire pour... Pour filer la métaphore de, de la navigation, que exercer ce regard rhétorique, c'est apprendre à éclairer euh, cette petite lampe euh, frontale ou ce petit phare que vous avez là euh, dans la brume et qui nous permet simplement euh, d'utiliser notre esprit critique, non pas au sens de critiquer tout ce que les gens essayent de faire pour assumer la crise, mais au sens de discriminer et de juger chaque élément pour ce qu'il est et rien d'autre que pour ce qu'il est. Merci de nous y avoir aidé Emmanuel Damblon. Merci à vous.